an eternity of futile struggle or penance for my unspeakable transgressions. Unspeakable transgression. Salut YouTube, on se retrouve pour la suite de Darkest Donjon, la suite de la souffrance. Et la souffrance, on la sent un petit peu, hein, on la sent un petit peu au niveau des donjons haut niveau. Ça devient quand même assez compliqué, assez tendax, mais on s'en sort plutôt bien. On s'en sort bien, puisque il nous manque pas grand chose en réalité. Voilà, on a là il faut qu'on pousse en fait au niveau de certains donjons qu'on n'a pas du tout fait. Mais il faut atteindre le niveau 6 avec certains persos, mais sinon ouais, on avance de ouf. Donc c'est vraiment cool. Donc là on a monté pas mal de choses, donc on a plus grand chose ici au niveau des ressources. Donc blason, contrat, portrait, buste. Mais on en a pas tant besoin que ça. Demain sortie du clip KDA, ça c'est bien ça. On va pouvoir regarder ça. Du coup, la diligence donc elle est à 100%, forge aussi, guilde aussi, experte en survie, il faut qu'on la monte. La taverne, il nous faut des portraits. Le gros rat qui est de sortie, tout va bien. On a des bustes ici à avoir pour améliorer le cloître. Pas très utile, on a d'autres trucs pour déstresser. On a aussi le sanatorium pour les maladies, tout ça, ça serait bien qu'on fasse ça. Donc c'est pas les styles des patients, c'est pour les bibliothèques. Traitement de très positif, voilà, c'est ça. C'est la bibliothèque médicale, faudrait qu'on baisse encore le coût parce que c'est très très cher pour verrouiller en fait. Genre je sais pas moi, y a pas quelqu'un qui a un truc cool. Moelle de fer, intouchable. Entrée. Dernier souffle. Ouais, ils ont pas des trucs ouf en fait. Hein. End debate. Fab de précision. Moi à 100% c'est très super à 50%. Mais du coup ça n'arrivera jamais puisque tu déstresses de ouf. Mais bon, très bien. Mais bon, par exemple, c'est 8000. C'est 8000. Et c'est 5000 pour enlever. C'est quand même cher. Hein. C'est quand même cher. On va aller dans la crique pour enlever tout ça. Ça sera beaucoup moins cher. Hein. Bon, c'est un peu plus dangereux. Mais... Ah oui, t'es en train de prier, exactement. Exactement, Théa, t'es en train de prier. Tu es là. Et d'ailleurs, du coup, les gens du stream, si vous voulez avoir votre nom parmi les persos, n'hésitez pas à le dire. On a Shiro qui est ici, la furie. On a Kagami qui est là. On a beaucoup de persos, en fait, qui ont... Il y a Théa, bien sûr. On a beaucoup de persos... qui n'ont pas de... qui ont un, bah, le nom du jeu, quoi, que le jeu leur a fourni. Mais donc n'hésitez pas, ça peut être drôle aussi. Ça peut être drôle. Alors, du coup, il nous faut portrait, buste, blason. On accepte les trois. On accepte les trois, et il faut qu'on pousse au niveau de la tanière, pour avoir le boss de la tanière. Donc je pense qu'on va... on va pousser à ce niveau-là. Ah, toute cette poésie dans le chat, ça fait plaisir. Allô, ah, allô, allô. Il s'est fait Théo à l'instant. Le premier truc qu'il dit, c'est sujet un petit peu au Théo aussi. Attention, hein. Attention les vélos, hein. Ça mérite la deuxième bande. Vas-y. Mais non, on va pas faire ça. Alors, homme d'armes. Ah, c'est un peu nul, hein. C'est un petit peu nul, mais bon. On va aller dans la tanière. En plus, c'est court. C'est niveau 3. Ah, elle est déjà niveau 5. Au pire, j'aurais fait une run argent.
argent. Mais elle est déjà niveau 5. Je peux faire un groupe, tu me diras. Elle, lui. Les trois là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc moyen, long, court? Bah, court. On va faire ça. Ils sont niveau 5, c'est vrai. Putain, des fois, je suis un peu teubé. Hein. Des fois, tu vois, en fait, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Pour certaines choses. Protège-moi, il est méchant avec moi. Mais ça va, oui. Arrêtez vos enfantillages. Sinon, j'en prends un pour taper sur l'autre. Courte. Longue. Courte. On va faire ça. On va faire ça avec lui. Elle peut aller devant? Oui. Elle. On part là-dessus. Hop. Alors. Ah et du coup, le crash du jeu, quand ils sont comme ça, si tu veux déplacer, si tu veux déplacer comme ça, ça arrive pas qu'à moi. J'ai vu un streamer en début d'après-midi, il avait le même souci. Du coup, je suis content, bah pas vraiment, mais bon. Alors, du coup, on va mettre ça. Donc l'esquive va être. On va être le maître mot. Là, c'est à 24, là, c'est à 37. Là, c'est à 30. Mais on va te mettre de la protection, toi. Donc, t'as quand même 9% de critique. Incroyable. On peut pas mettre les deux. Hein. Alors on va mettre du coup l'item, voilà, compétence de... Hop, ça fait juste 10% de stress en plus. T'as 0 de stress. Par contre, tu es léthargique. Ouais, c'est pas ouf. Hein. La léthargie n'est pas ouf, tout ça. Recul de 2. Avance de 2. On part là-dessus, du coup, la crique, pouette. Fais quelque chose. Débrouillez-vous les enfants. Moi, je suis pas là. T'es où? Mais t'es pas là. Et on embarque. The smell of rotting fish is almost unbearable. Incroyable. Alors, on va pousser le verre d'eau. Très dangereux d'avoir un verre d'eau. Alors ça, c'est pas un jeu d'horreur, donc on risque pas non plus de faire tomber le verre d'eau. Je suis le mec le plus doux du monde. Approche, tu vas voir. Alors, en général, quand on dit approche, tu vas voir, bon, voilà, moi je m'approche pas. Hein. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais... Alors ça lâche des bails sur le chat. Je suis pas au courant. Est-ce que vraiment je voudrais être au courant? Je ne crois pas.
En plus, c'est ouf, hein, parce que je l'avais sur ma map. Mais comme un connard, tu vois, j'avais enlevé la map. Ah là là. On va tout explorer. C'est important. Vaut mieux pas, non, je veux pas savoir. Je ne veux pas savoir, loin de là, l'idée de tout connaître de mes viewers. Donc le gars qui stun, il est plus là. On va infecter lui pour lui faire des gros dégâts avec elle après. Et on va tenter de le stun off. Non. Forcément ça résiste, il était à 90% de résistance. Ouh, 13. Pas ouf. Et c'est ce qui. Donc on va soigner. Elle du coup elle fait 9. 18. Oh, c'est un petit disque qui est proposé là. Par le joueur français. Ça esquive. Est-ce que j'invecte tout le monde? On a infecté tout le monde. Au cas où. C'est bien. La vengeance, mince. Ça, c'est des gros dégâts. Hop. Mince. C'était elle qui défouillait. Faut pas faire des erreurs bait. Ah bait, comme ça. Alors, deux vengeances, non. Hein. On va laisser la larve tranquille. Ça esquive. Hop. Ça esquive. L'esquive. Heureusement, on a la petite patte qui porte chance. Lui, je crois aussi, il a de l'esquive avec ça, non? Ouais, il a de l'esquive avec ça, mais bon. On va rien dire. 11 de dégâts. Oh putain. Perched at the very precipice of oblivion. Death is patient. It will wait. J'en étais sûr. How quickly the tide turns. Injury and despondence set the stage for incroyable. Incroyable. A momentary abatement. C'est pas la meilleure run, non, effectivement. Effectivement, ce n'est pas la meilleure des runs. On a vu mieux. Le critique. Oh là là, bah voilà, c'est très bien. C'est très bien, attaque-le lui. Oh là là, la catastrophe. Allez, hein.
C'est très bien. Allez, attaque celui que je focus au niveau du heal. Oh là là, compliqué cette run. Oh là là. Compliqué cette run, hein, déjà. Ah non. Oh ben. Résistance aux infections. En remplacer intouchable. Je préfère intouchable, hein, personnellement. Intouchable, c'est résistance au coup fatal. Ah bah génial. On va utiliser quand même notre pelle, puisque voilà, c'est une... Heureusement que la run est courte, hein. Sinon ça aurait été la catastrophe. J'ai trouvé déjà le titre de la VOD. Hein. La vengeance est un plat qui se mange froid. Mouillé. Vu qu'on est dans la crique. T'as compris. Bon là il y a une curiosité, on va aller la faire la curiosité. Puisqu'on a... on a Bobby. On a Bobby. Alors, 100%, 60. Désarme-moi ça. Voilà, ça te déstresse. Hop. Alors, lui, il faut le tuer, mais à tout prix. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Si tout le monde échoue. Donc là, je l'ai marqué pour avoir un esquive en plus. Ok, ça résiste. C'est tant mieux. Appel des profondeurs. Incroyable. Ça esquive. Oh là là. Ah, je marche sur des œufs là un petit peu. Hein. Bah, en même temps, il a tout ce qu'il faut pour esquiver. Il a un objet qui lui permet d'esquiver. Il a le buff pour l'esquive et pour la protection. Je pense que oui, heureusement, hein, heureusement qu'on a au moins ça. Heureusement qu'on a au moins ça. Oh là là, mais ça esquive tout. Ah, je parle de l'ennemi, ah oui. Ah mais là, les ennemis, ils sont incroyables. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable les esquives qui me tapent, putain. Allez, ferme ta gueule. Oh là là, le dégât à 30. Enfin, ouais. Le psychopathe, là, grave. Ah ça, du coup, la vie est remontée chez tout le monde. Là, maintenant, c'est le stress qui est problématique. Et l'autre, elle va tomber, hein. Elle va tomber, plus 15% de stress en plus par rapport à ça. C'est génial, hein. J'adore ma vie. Inspiration and improvement. Là, l'esquive par contre elle est marquée. Enfin l'esquive, elle est Ok, donc elle a tout ce qu'il faut, donc t'auras plus qu'à faire ton taf. La détermination de l'île. Irrationalité. C'est pas la... pas le mieux. Hein. C'est ce que je voulais faire, donc ça m'arrange. Le saignement qu'on va faire partir très vite parce que du saignement à 10.
Goddammit. Tout le monde est stressé. Oh là là. Vas-y, stresse-la encore plus. Oh là là. On va le marquer. On va le soigner. Aïe. Ça résiste, ça résiste. C'est bon, c'est parfait. Et donc toi... Ah non, ça soigne pas le saignement. C'est pour la résistance au saignement. Mince. Ça fait mal du coup. Tiens. Critique à 23. On est bien. Ah mince, il est plus marqué. Il n'est plus marqué le coco. Ça esquive. Putain, heureusement. Heureusement. Ça perce l'armure. Ça fait pas des gros dégâts quand même. Mais... On va essayer de l'empoisonner. Ça y est, 50% de chance de résister. GG pour vos level up à tous les deux. Aïe. Ça résiste, c'est parfait. C'est parfait. On va faire le perce armure encore. Hein. On va le marquer. Ok, donc là, il a tout ce qu'il faut pour prendre cher pour le prochain tour. Voilà, ça saigne. 30. Putain, quel dégât. Voilà, ça fait tout de suite plus mal. Bah, plus mal. On va s'enlever, hein, on peut pas rester avec ça. On va se mettre ça. GG à moi, mais à personne d'autre. Incroyable. Allez, salut, à tard plus. Le nombre de blasons. Attends, je reconnais ça. Voilà, ça je reconnais ça. Alors, chope-moi des trucs. 1000. Hop. On va partir du principe qu'on a plus de chances d'avoir des jades. D'avoir jade. Allez, manger les cocos. Même avec ça, tu peux trouver des trucs de merde. Voilà, c'est parfait. Qu'est-ce qu'elle a? Mais arrête! Calme ta mère, toi! De toute façon, il fait dodo. Bah, laisse-le s'il veut dormir. S'il est fatigué, il faut dormir. N'importe. Si vous êtes fatigué, il faut dormir, les potes. Allez, trouve encore des merdes. Voilà, c'est parfait. Les merdes à 500, la merde, moi ça me va. La bonne merde! Choc. T'es choqué. Et t'es étourdi. T'es choqué. Sanglant incontrôlable. Mais toi t'es choqué. Voilà, tu te fais harponner la gueule en plus. Tiens.
T'es infecté. Ça esquive. Ils vont être lourds. Ah, les saignements. Avec Red Talk. La détermination. Attention les vélos. Puissance. Incroyable. Incroyable. Bon, on va soigner. Pour une fois, je suis pas endormi, on me sort ça. T'as 4 de dégâts, c'est pas... Hein. Ah là là, l'étourdissement. Hop. Incroyable, les dégâts en plus de la joueuse française. On est bien. Après, il faut attaquer. Hein. C'est parfait. Te laisse pas faire, pote. Français. Incroyable. Bon, on va essayer de l'empoisonner, voilà, comme ça on va faire des dégâts. Au bout d'un moment, faut arrêter les villes vasées. Mère, mère! Qu'est-ce qu'elle chante? Elle parle hébreu. Elle parle hébreu. Destroy. Incroyable, lui il flirte avec le stress. Il a tellement de trucs. Non. On va faire ça. Moi je flirte avec qui? Du coup avec Shiro. Avec ma muse. C'est ma seule muse. Comment ça, elle est pas trop chaude? Ah non, non, non. On fait du Wolfie. Hein. Ouf. Who let the dogs out? Ouf. Who let the dogs out? On va réussir à finir le donge. Hein. Enfin, je dis ça. Faut jamais dire ça. Bon. On va finir le donge. Par contre, j'espère que ça, c'est une petite plante. S'il vous plaît. Non, c'est pas une plante. On n'a pas eu de petite plante. Bon, ça fait 5000 quand même. Bon, bah écoute. On s'arrache. We will find all manner of great and terrible things in this watery tomb. On a fait 9000, on a fait 15000 du coup. 15000. On n'est pas monté niveau 6. Étude de la crique brave des Well du matin. Incroyable ça. Ah! Righteousness and zealotry gleaming in the morning sun. Inexplicable. Cependant, seuls deux sont venus. Il semble que l'appel sincère de l'abbé ait été entendu, mais avec une cruauté moqueuse.
Bah t'es niveau 0. T'es niveau 0. Donc comment vous dire, vous deux, qu'en fait... Je m'en tamponne l'oreille avec une babouche un petit peu. Hein. Donc les contrats, ça va être une monnaie d'échange. Il m'en faut 7. Pour le cloître. A little hope, however desperate, is never without worth. Alors. On va aller là. Salle de pénitence, c'est ce qui soigne le mieux. T'as pas besoin de tant de ça. Toi, tu veux juste picoler. Ah bah, en avant, on est allant. Du coup, elle va t'accompagner aussi. Elle va t'accompagner aussi. Hop. Ok. Ok. Bah, écoutez, on continue. On continue. Ah. Oh. L'équipage noyé. Mais l'objet là, il me convient pas vraiment, je l'ai déjà. En plus. Je l'ai déjà. On passe son tour pour la crique. C'est une tête de Cthulhu. C'est pour monter d'expérience plus vite. Encore un parchemin. Stress moins 20%. De quoi on va faire. On va faire la tanière peut-être. Offrez dans le tunnel. Activer 3 sanctuaires. On va faire ça, je pense. C'est insupportable comme bruit. On va mettre lui, elle. Ou alors pour le saignement. On fait full saignement. Dans la tanière, je sais pas s'ils sont sensibles au saignement ou pas. Dans le doute, je vais peut-être le faire comme ça. Dans le doute, on va faire comme ça. On va vérifier auprès de la guilde. Ouais, je vais bien les vérifier. Toujours mieux de vérifier, donc là c'est bon, ils sont tous à 5. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a à la roulotte? Putain, encore! Mais calmez-vous avec ça. Incroyable. Augmente uniquement sur soi le stress. Vigilance fanatique. Uniquement sur son stress plus 40. Soigne une maladie. Un compagnon. On va utiliser les sangsues, hein. Soigne une maladie restant son maladie, c'est sur soi. Uniquement sur soi. Un compagnon. On va faire ça.
Popo, j'ai besoin de toi là. Oh là 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 là. Après, c'est la... si elle a pas envie, elle a pas envie. Hein. Mais c'est quand même dommage. Ce serait quand même cool. Empêche les embuscades nocturnes. Pour 3. Pour 4, pardon. Ça peut être bien aussi. Hein. Stress. Oh tiens, ça c'est trop bien. Moins 15 de stress, ça c'est bien aussi, on va le garder. Bon, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Le Wolfie, le Wolfie. Donc on part là-dessus sur le... activer 3 sanctuaires bestiales. Alors, poète. Soixante-huit points de vie. Dans ce coup fatal. On va en faire un port, lui, je pense. On va te mettre ça et on va mettre... ça. Voilà. Donc, 68, 44. Plus de chances d'infuser une infection. Elle est portée disparue. Ah, mais elle était en train de chercher pour un PC. Elle était en train de chercher pour un ordinateur. Enfin, pour des composants d'ordi. Pour upgrade son PC actuel. Qu'est-ce qu'on va lui mettre au Bobby là? On va lui mettre ça. Hein. Par défaut, on lui met ça. Après lui. Il a pas de dégâts en fait. Il a pas de dégâts bruts. Donc si on lui met un truc du genre ça, ça lui monte la protex, les PV max, mais du coup ça lui met juste du stress en plus. On va peut-être lui mettre ça en vrai. On va peut-être lui mettre ça en vrai. On va lui mettre ça en vrai. Et donc, bah toi, hein, la base. La base, donc la tanière. Donc on va juste regarder sur Lucky parce que du coup la tanière, vu que je l'ai très peu fait, on va regarder un petit peu les trucs à prendre. Donc dans la tanière, pas mal d'herbes. Holy water. Et des bandages. On en prend 12. On en prend 4. Des bandages. Ça. Ça. Only water, on en prend 3. Et donc ça. Et on embarque. Un avis de recherche est lancé.
The swine draw power from their horrid markings and crude idols. Tear them down. Ouais, on va détruire tout ça. Alors, comment va-t-on faire? On peut faire... Clac, clac, clac. On peut faire genre clac, 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 clac. Clac. Ah, j'ai une bique. Attends, dans tous les camps, voilà. Voyons voir. Wealth beyond measure. Des contrats. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Ah bonjour. Ah lui. Lui mon gars. Lui mon gars. Lui mon gars, il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure de la mourance. Il résiste normalement aux infections à 100%, hein. Mais apparemment non. On lui met tout dans la bouche, hein, lui, hein, lui, il a... Allez, visez-moi moi. Incroyable. Diminished. Eh, coucou Mylis. Salut à toi. Incroyable, il est marqué tout ce que tu veux, mais non, c'est pas lui, hein. C'est lui qui prend. Après, ça me va aussi. Ah, cucu. Bon, du coup, il meurt au prochain tour. Et c'est bien parce qu'il fait des gros dégâts. Hein. Et ça esquive. Youche. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Hop, le petit soin de zone. Sedated. Sedated. On va peut-être soigner une infection. Mais il résiste à 100%. Ouh là, oui, il reste de ouf. Lui, il reste de ouf. Ah, lui, du coup, c'est pas le bon plan. Hein. Il y avait que lui là-bas. Bon, on va soigner les infections. On va commencer à attaquer. Moi j'ai faim pour pas changer. Est-ce qu'il est... Non, il est quand même pas saigné. Lui non plus. Incroyable. De son infection. Ou 25. Ouf. J'ai beau être matinal, ça fait mal. Hein. Ouais, 14 sur ta gueule alors que t'en as pas vraiment besoin. Ouais, c'est ça. Et on va baisser sa résistance au saignement. Ou 48 de critique. Excusez-moi, hein. Le poulpe plein de tentacules. On va full heal, hein. On remonte à 18. Même le petit soin là à 3. Ça fait 18. Hop, il est remonté à 36. On est bien. Peut-être chance de saignement. Tout à fait. Donc il meurt dans deux tours. On va l'aider à mourir. Bon bah. On fait signer la carcasse. On fait signer la carcasse. On peut l'étourdir. On peut tenter de l'étourdir. Yes. Hop, on remonte tout ça. Allez, viens toi. Viens toi.
Viens, mon coco. Hop. Je vais faire un petit soin de 14. Très bien. La mastication. Les gens vont tout ce qui colle, tout ça. Ah. Alors, oui. Hop. Voilà. Du coup, ça, on va pas le prendre. Ça peut purger un trait négatif, mais t'as 50% de chance d'avoir du stress. Ah, quoique lui, il s'en fout. Ah bah génial. Bon, on va passer par là. J'aime tous les trucs qui ressemblent à des tentacules. Ouais. Allô. Des petites araignées. Bonjour, enchanté. Enchanté, je m'appelle Teuse, dédicace à Mylis. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. On va essayer de stun. Ça esquive. Ah mais si tu faut pas que tu vois, faut pas que tu pouettes. Sinon c'est quoi le jeu? Eh bien le jeu s'appelle Darkest Donjon. Et c'est un jeu, ma foi, fort sympathique. Où tu as des groupes d'aventuriers qui pénètrent dans les donjons. Et ils ne sont pas sûrs d'en ressortir en vie. Il y a du stress à gérer, il y a la barre de vie à gérer. Et donc là, mon objectif, c'est d'activer 3 sanctuaires bestiales chez les hommes cochons. Mais en gros, grosso merdo, l'histoire du jeu, c'est qu'il y a un gars, en fait, qui habite dans un hameau, en haut d'une falaise. Et genre, il a fait de la grosse merde. Il s'est vautré dans la luxure, tu vois, donc... il faisait des fêtes avec des orgies, des trucs comme ça, de trucs de ouf, tu vois. Et il en voulait toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et il a carrément signé des pactes avec des entités, il a fait de la grosse, grosse merde. Et du coup, voilà, en fait, à la fin, il a creusé sous son manoir, il a trouvé une porte qui menait vers un autre monde, un truc comme ça. Et du coup, il l'a ouvert et ça a foutu la merde, il y a Cthulhu qui a débarqué dans le monde, tu vois. Tu vois le genre. Et le gars à la fin il se suicide et il dit ben voilà, aidez-moi. Il se suicide, enfin aidez le hameau à retrouver machin. Et donc voilà. Et donc à la fin de l'intro il se suicide et tu dois te démerder pour... D'accord. Pour tenter de, bah, de libérer le hameau de ce mal et puis le monde en fait. Hein, tu veux sauver le monde. Hein. Il a infecté le coco, c'est très bien. Oh là là. C'est quoi ce freeze? Quelle histoire! Effectivement, c'est une histoire de fou. J'allais dire, on va le taper. Ah bah oui, on l'a tapé là, du coup. On va essayer de le stun lui. Ça marche, donc c'est parfait. Il prend 12 par tour. Retrait au trop. Du coup, il aura rien fait de sa game, lui. Hein. J'ai l'impression. Hein. Pour l'instant, il ne fait rien. Ok, ça sonne tranquille. Il faudra que je fasse ça aussi, le cri de ralliement, là, pour soigner son stress. Je te laisse perplexe. 7 par tour, 6 par tour, donc on va faire ça. On va l'empoisonner, Coco. Voilà, donc là, il va perdre pas mal. Donc là, il est au milieu. C'est vraiment la pire place quand t'as les deux là dans le groupe. Parce que du coup, t'as des infections, il perd 25 partout. T'as des infections, t'as du saignement. Hop. On va faire un petit soin de zone. Voilà, comme ça, on retrouve tout ça.
On va soigner son stress un petit peu. Parce que là, du coup... là, mon pote, t'es mort plus que mort. Hein. T'es rastamort. T'es rastamort. Du coup, on va se soigner. Bon, on va soigner quand même coucou. Je regarderai Discord, ça marche. Je peux faire ça. On enlève les bandages, tant pis. A handsome reward for a task well performed. On a tellement besoin des portraits, on peut pas. On peut pas se permettre de les laisser comme ça. Ça serait bien qu'on trouve des trucs de merde là. Qu'on utilise les pioches parce que ça nous prend une place dans l'inventaire. C'est ultra relou, ça on prend pas, on s'en fout. On touche son nez, il est 20h20. Très important. Putain, il est déjà 20h20. Au secours. Objet de quête. J'ai plus de bandage. On risque pas. Ça esquive. Le sanctuaire a été anéanti. Ça, ça purge un trait négatif. Oh, incroyable. Donc là, examiner les arts, ah, c'est chiant ça. Option pour la propreté. On va le faire lui. Phobie de la crique. Ben voilà, parfait. Incroyable du cul, ça. 70. 60. 80. Bon. Incroyable, ça le soigne. Soigne son stress. On joue un peu sur la chatte. Un petit peu. Bonjour, messieurs. Alors, lui, il est chiant, lui. Ah, lui. Lui, il est très chiant. Vous savez ce qu'on fait avec les gens chiants? Tu vois, là, il va nous stresser. Et tambour, hein, forcément, sur le gars qui est déjà... Ah non, il est juste marqué. D'accord, ça marche. Ça me va. Bon, il va mourir. On part du principe qu'il va mourir. Donc on va juste le faire saigner, lui. Ah, il a résisté. En même temps, c'était... Oui. Ça fait mal, lui. C'est pas gentil, hein. C'est pas gentil. Bon, du coup, il est mort. Il aime bien, lui. Mets-lui des crochets dans le dos. Accroche-le avec tes crochets. Ok, donc toi, t'es mort. C'est parfait. Donc, lui, non, il va se retirer. Ah non. Pas ouvert, là. Tiens. Ça, c'est gratuit. On va soigner Coco. Voilà, comme ça vous êtes tous bien. Lui, on va lui casser la bouche. Et on va tenter de l'infecter. Ça marche. Quelque chose. Mais quand ça se fait que tu veux pas, Shiro? On sera bien sur Wolfie ce soir. Enfin, si on arrive à faire un Wolfie, parce que du coup, il faut quand même qu'on soit...
prends soin un petit peu. Alors 20, c'est gagné. Alors là, c'est gagné de ouf. Hop. C'est ça qu'on veut. Alors du coup la pelle, on n'a pas forcément l'utilité. Je veux rester seul, c'est tout. Le piège non esquivé par le joueur français. Le repérage. Donc on a toujours pas de bandage. Donc on va pas risquer. Ah, intéressant celui-là là. Donc on va tout lui mettre dans la bouche à lui. Il est infecté, c'est parfait. Il saigne, c'est parfait. Oh, c'est mon alarme. C'est l'heure de ma pilule. C'est l'heure de ma pilule. Merci beaucoup pour les 300 bits. Troisième auto offert du coup. À trois personnes dans le chat. Merci Théia, merci beaucoup. C'est super classe, poteau. On va essayer de le stun du coup. Ça marche. Parfait. Et du coup, on va se mettre un petit. Hop. Bah dis donc, heureusement qu'il avait de la protection, hein. Ouf. Oh incroyable, il s'est mis devant. Ah bah alors là mon pote. Alors là mon pote, si tu fais ça, c'est du pain béni, hein. Voilà, t'es mort. Tu le sais pas encore, mais t'es déjà mort. Regarde les phases que j'élabore. Boum. Ça résiste. On va s'auto... Hein ? Hop. Boum. L'infection commence. Le hurlement. Ultra relou. Gnawing uncertainty. The birthplace of dread. Ultra relou ce hurlement là. Hurlement de ces grands morts. On va déstresser comme ça, on va essayer de déstresser comme ça, c'est... on n'a pas d'autre choix. Donc à coup de saignement et d'empoisonnement. Hein. Voilà, 26. Il va encore me faire un hurlement. Bon. Ça va. On essaie de critiquer. Ça ne marche pas. Bah du coup... On monte à combien? 18 de saignement et le 32 de dégâts. Incroyable. On a pas mal de portraits donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Le repérage. Objet de quête. Parfait. On va essayer, ça marche, donc c'est parfait. Ça se détresse. Si ça avait pas marché par contre, on aurait été un peu dans la merde. Hein. Ça aurait stressé encore plus le Bobby. Excellent. On continue l'aventure un petit peu. On va remonter par... On va juste faire la curiosité là.
Voilà, je sais la curiosité là. On a encore de la bouffe, donc on va pouvoir... on va camper. On déstresse. Groupe. Accompagnant. Ça a été sur toi que j'aurais voulu le faire, ça, pote. C'était sur toi que j'aurais voulu le faire. Ok. Est-ce que quelqu'un est malade? Crampe d'estomac. Elle a des crampes d'estomac. Parfait. Il nous reste 4. Bon bah tant pis hein. Il en a encore 20. On se repose. On se repose. Ah c'était pour ça. Putain, ça m'embête tellement de partir, j'ai tellement pas grand chose dans le sac. Allez, je fais encore le dernier combat là. Ça esquive. Est-ce que je vais regretter ce dernier combat? On a du vomi ici qui nous est proposé. Incroyable. Le saignement. Le crochet là où ça fait mal. Confusion, nerves, and panic. On va tenter de stun du coup. Hop. Ouais, bah en même temps t'es venu devant. Hein. C'est de ta faute. Tu assumes tes bilvesées maintenant. Ah là là, allez va. Elle est boulimique. Elle résiste au saignement. Lui, il est mort. Il est mort. Hop. Ah, on peut faire ça. C'est vrai qu'on peut faire ça, les gars. Hein. Ça lui sera étourdi. Je passe à la télé, j'avais pas vu que c'était moi. Eh oui, c'est toi. Tu es là. Boum. Attarde plus. Le critique. Et ça saigne du coup. On va essayer de l'infecter aussi. Ça passe. Ouf. Un point près. L'agonie. Merde. Rassure-toi, je suis là pour te sauver. Il esquive. Incroyable ça d'esquiver ça, ouais ouais. A momentary abatement. Oh mais ça esquive. Mais quelle est cette magie? Voilà, c'est parfait. Ah ben voilà. J'ai gagné 1000 pièces. Push on to the task's end.
Alors, est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Une carte. Bon bah... j'ai la flemme d'aller jusque là-bas, de retourner là. On va se barrer. Robbed of their writings, the swine will grow ever more ignorant. If such a thing were possible. Sur ses gardes. Cogitation. Bon. Bon, bon, bon. The twisting tunnels no longer exhale the toxic stench of degeneracy. Les résidents de l'Ouest ont exprimé leur soulagement suite à la dissipation des odeurs nauséabondes qui émanaient des anciens aqueducs. Ouais, je cogite pas mal, c'est vrai. Incroyable. Et donc la tanière, on va pouvoir faire ceci. Vu qu'on a en plus le petit event ici. Je ne gâcherai pas mon... Oui, bah c'est bon. Allez, dégagez. Expérience, détermination, dégâts dans la tanière. Dégâts plus 15% dans la tanière, de quoi faire la chair inachevée. Mince. On va faire la chair inachevée. Mais d'abord... Tiens, vous allez boire entre vous, là. Vous allez boire entre vous. Est-ce que... ah, je peux monter ça aussi. La maison close. Ah, la résolution du stress. With enough ale, maybe they can be inured against the horrors below. Ouais, ouais, ouais. Ok. Du coup, ouais, je vais faire ça. On va faire ça, la serre inachevée. La chair inachevée, du coup, ça sera dit... 2... Ah, par contre, j'ai peut-être pas ce qu'il faut, non? Touche à tout. Saignement. Avance de 1. Avec la riposte. Et ça te dérange pas d'être... ouais, donc il va faire la riposte, ça va être bien. Ouais, on va faire ça. Ça peut être intéressant. Alors, du coup... voyons. Là, j'entends des petits grésillements, je sais pas si c'est mon casque. Je sais pas si c'est mon casque ou si c'est sur le stream aussi. J'espère pas. Vous entendez un grésillement? Ça va pas du PC, ça va pas du... je sais pas d'où ça vient. Bref. Donc là, étourdissement. Ah, ça peut être bien avec lui. On va garder ça. Ça peut être bien pour lui. Avec l'étourdissement. Tac, tac. On va garder la marque. Ouais, on va garder ça. On va garder ça. Ah oui, il est niveau... Ouais.
Recul de 1. J'ai mon clavier qui s'éteint et qui se rallume aussi. Incroyable ce qui se passe. Ok, bah let's go. On va partir là-dessus. Faut que je te dise quelque chose, bah dis-moi. Donc on va avoir l'épingle des enfers, c'est pas ouf, mais bon. Ah mince, j'ai oublié de mettre... Si je mets pas ça... Alors, de la vie en plus... Et puis... Francis. Qu'est-ce qui se passe avec Francis? On va peut-être faire ça. Lui, bah on va lui mettre les objets. Pouette. Alors, chance d'infliger un saignement, compétence de mêlée, compétence à distance. Donc lui, c'est plutôt les... Il va faire des dégâts. Et en fait, une fille. Ah oh, mince. C'était incroyable, ça, du coup. Et bah, c'est Francis... voilà, c'est Francis... Francis la fille, quoi. C'est dingue à quel point tu es émotive. Tu es passé par toutes les émotions, c'était trop drôle. Incroyable. Vous vous moquez de moi, c'est pas très gentil ça. Bon, elle va lui mettre les deux du coup. Ah, mince. Comment ça, les... Occupé a été en reculant. Ah, il a moins de vitesse, mais du coup, il a que 22 PV. Ça va pas être ouf. Hein. On va tester. Voilà. Let's go to the tanière. To the tanière. Zeal for blood rituals and summoning rites had begun to ebb, as each attempt invariably brought only failure and disappointment. Ah, c'est celui-là. Ok. Halting, and the rapidly accumulating surplus of wasted flesh had become burdensome. Incroyable. Ça, ouais, c'est un truc dégueulasse qui va changer de forme. This thing is more terrible than I can describe. An incoherent jumble of organ, sinew, and bone. Vous êtes pas très gentil avec moi. Et c'est vrai que, bah oui, je suis... Oui. C'est vrai que j'ai un... C'est assez facile, en fait, de lire en moi... au niveau de mes émotions, j'avoue. Alors, ça, on peut... purger un trait négatif. Nocturne. Vitesse torche inférieure à 75. C'est super. Super. Et ça, on peut essayer de lui enlever. Ah, ça, c'est très chiant. Oh là là, il a que des trucs chiants. Lui, mollesse, lui, c'est horrible. Réflexe lent. On va essayer de lui retirer mollesse. On va essayer. Ouais, très bien. Ah bah, il a que 23 PV. Hein. C'était pas ouf. C'était une blague. Bande de méchants. Vous êtes trop méchants. Même le jeu, il est plus gentil que vous, voilà. Vous êtes trop méchants. Ouais, c'est ça. Rattrapez-vous.
Rattrapez-vous vos branches. Il est étourdi. Bah mince alors. C'est ça, c'est ça. Mais moi j'entends un grésillement, ça me rend dingue. J'entends un grésillement, moi ça me rend dingue. Bon, on peut one shot ça. On peut tellement one shot ça. Ça esquive le mordiment. Et ça esquive le mordiment. Alors, ça se one shot aussi, mais là, est-ce que là ça se one shot aussi? Ça peut se one shot. Fallait croire. Il faut croire en ses rêves. Faut y croire. Incroyable, ça, on dit tous fous life. Ouais, la fous lifeitude. Alors ça on n'en veut pas. Quoique, la pile de bouquins, ça peut donner un trait positif. Elle m'a dit qu'elle venait, ah bah voilà. Voilà, ça, les bouquins peuvent stresser, c'est pas trop ouf de stresser. On va pas stresser. Ah bonjour. Alors j'ai dit qu'on stressait pas, les potes. Hein. Non, c'est pas bah, du coup ça non. Ça non. Ça non. Chiro, ça travaille les joues ou pas? Ça non. Ah, la lumière est tombée. Bah, sinon, je peux jouer moi ou pas? Je voulais pas vous emmerder, hein. Loin de là, l'idée de vous emmerder, hein. On va essayer de le choper, lui. Incroyable. Il est étourdi. C'est très bien. C'est très bien. Si on aurait pu le one-shot, lui, ça aurait été mieux. J'avoue. Ça aurait été mieux, mais après, bon, on peut pas tout avoir dans la vie, hein. Je conçois. Boum! Incroyable. Cette riposte. À l'étourdissement. Il a pas une attaque, lui, qui lui fait aller un coup en avant? Non. Ça esquive, hein, je l'ai vu. Je l'ai vu. Bah écoute, on va essayer de le tuer. Et en plus, il a le petit malus pour les critiques, donc c'est très bien. Tiens. On soigne un petit peu ton stress. Bon. Voilà, c'est parfait. Hop. Alors là, par contre, il va me falloir un... manger. Il va me falloir... Ben voilà. Incroyable. Ce trait positif qui proque. Il va me falloir un repérage là. Allez jeu. Un repérage. Bon d'abord un combat si tu veux. Mais après un repérage. Un peu de stress. Alors on a dit non le stress. Nom de Dieu très ancien. Ça on s'en fout aussi un peu. Le saignement c'est chiant. T'aurais pu le laisser de côté. Je t'entends en écho. Alors ça c'est pas normal.
Vous entendez en écho, sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Bah non, il n'y a pas d'écho. Elle entend des voix. Ouais, on est d'accord. Hein. Du coup, j'ai mon retour direct. Oh, c'était débile vesé. Hein. Non, là, il y a des... Tout va bien. Tout va bien. Alors, on va essayer de faire un truc. Il est étourdi. Ça c'est loupé, madame. Ça c'est loupé. Tout le monde est étourdi. T'as le choix. Ah, lui il est plus étourdi. Lui il est plus étourdi. Et lui non plus. Bah voilà, bah t'as plus le choix. Incroyable, non? Je voulais faire ça coup de grâce. Et du coup, je me le fous dans le cul, mon coup de grâce. On peut le tuer, là, cela dit. Cela dit... Voilà. Mais non, mais t'en vas pas, oh là là. Touk. Oh là, ça esquive. Et du coup, ça étourdit. Ah. Bah, c'est pas trop grave. Cool. Ah bah très bien, on peut revenir comme ça. Hop. Donc on est de retour en position normale. Donc tout, ouais. J'ai pas eu de repérage. On va tenter. On va tenter. Un moment de respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. Alors. Précision critique. Esquive vitesse, compétence de mêlée. On peut faire ça pour lui. Empêche les embuscades nocturnes. Ok. Donc là, on n'aura pas d'embuscade nocturne. On va lui faire ça à lui. Et on va faire ça à lui. Hein. Et on peut réduire le stress de Coco. Hop. On va par là, du coup, on avait dit qu'on irait par là. Le piège, bien entendu. Alors. Packs laden with loot are often low on supplies. Ce n'est pas là. Bon, on n'a pas eu de combat entre temps. Après, c'est. Les buffs durent 4 combats, donc ça peut être bien.
Une torche, précisément les torches. On en a plus qu'à savoir quoi en foutre. Halt. Un petit peu d'argent. Hop. Voilà la chair inachevée. Alors, bah là l'objectif c'est de faire du dégât, hein. 4-8. Ça esquive. Donc là on va faire le plus de dégâts possible. Voilà, 3 dégâts, donc c'est lui qui est le plus faible, eux ils attaquent je crois. Le petit bonus. Ah, ça étourdit, ça c'est chiant. Ça c'est chiant un peu. On voulait faire la riposte, mais. Ah, ça, ça soigne. Ça soigne, mais du coup, c'est. Voilà. Ça soigne, mais du coup, c'est fragile. Si je dis pas de bêtises. Je peux essayer de le stun. 10% de chance de rester au stun. Bon, il est pas resté stun, c'est dommage. Ça, c'est un peu dégueu. C'est dommage qu'il soit pas resté stun. Le critique à 25. On active la riposte. Ça résiste. Je sais pas si je mets un stun. Je sais pas si je mets un stun, si ça reste pour le tour d'après. Est-ce que je peux faire un saignement là-dessus? Ou est-ce que si je fais ça... Est-ce que le malus reste? On va voir. On continue de taper, hein. Comme un forçonné. Oh là là. Boum. Voilà, on veut pas savoir du coup. Ah, l'étourdissement du joueur français. Oh, ça va soigner. Ça soigne, ça soigne. Et ça fait des critiques. C'est chiant. Alors, soit je peux faire... Ouais, je vais faire ça, hein. Le saignement. On s'auto-soigne. On va tenter de stun, j'imagine. Aïe aïe aïe. C'est relou. On tape toujours lui puisqu'il a le debuff pour avoir plus de critiques. Voilà, ça se soigne encore. Il faut que mes persos arrêtent d'être stun, ça m'arrangerait vraiment beaucoup. Ça c'est très bien. Oh l'infection. Ouh l'infection, c'est tellement chiant. Deux de saignement, mâchoire... Ah, il a plus de... Il a plus de riposte. On va taper de ouf ici.
là on est obligé de le soigner. De ouf, c'est parfait ça. On va essayer de mettre un malus ici. Voilà, c'est parfait. Ouh, attends. Non, ça passe sur... ça l'a pas mis de ouf. Donc là on peut one shot hein. C'est parfait. Il faudrait qu'on ait un jongle entre les deux, mais lui il a pas d'attaque qui permet de retourner en arrière. C'est dommage. Et genre lui, à part si lui va... si lui va là. Si lui va là, il a son, sa lance sacrée pour revenir en avant. Ça, ça peut être pas mal. Il faudrait que je fasse un truc comme ça du coup. Ça me paraît pas mal. Bonjour. Vous êtes surpris. Ça m'arrange. Donc je profite du buff hein, pour faire encore un peu de donge. Hop. On se soigne en même temps, c'est parfait. Le critique qui va bien. Hein. Juste lui qui est encore un peu stressé. On va essayer de l'étourdir. Voilà, comme ça t'attaques pas. Comme ça tu n'attaques pas. On va tenter de te faire saigner au passage. Voilà, c'est parfait. Voilà. Bon bah écoute. On a gagné 4 blasons. Ah, ça c'est pour... ça c'est pour... ça c'est pour du... teuf. Enfin du teuf. Parfait. On a mis un peu de nourriture donc on va pouvoir continuer tranquillou. On n'aura pas besoin de bouffe. Jusqu'à présent. Alors du coup on va faire... on va faire le tour du donge comme ça. Il y avait un piège. Ah c'est dommage. On va faire le donge comme ça, tu sais. Une carte. Parfait. Donc là, on a juste un piège. Là, on a un obstacle. C'est un peu chiant. Donc on va faire comme ça. Hop. Eh bien, poète. Mais quel... putain, heureusement qu'il a esquivé. Je suis vraiment un abruti. En plus, je le vois sur ma minimap. Mais non, je fonce dedans, tête baissée, en avant. On a encore le buff, du coup, pendant deux combats. Donc on va pouvoir faire les deux combats ici. Ah bah non, il y en a un combat là aussi. Donc on va faire le combat là. Des petits arrêts. Ah, j'ai oublié d'inverser. Bon alors là mon pote c'est du pain béni. C'est du pain béni. Et voilà. C'était incroyable ça. Voilà, comme ça c'est mieux. En fait tu me diras là, ça fait clairement le taf. Le bandit qui fait son truc. Bonjour. Ah, c'est très important, le stress. Et ça esquive. Hop, on active la riposte. Voilà. Œil pour œil, dent pour dent. Ils ont déjà tous agi là? Non. Bon, pire, de toute façon, on va faire un soin de. C'est gratuit des stress. Rire nasal.
ça c'est bon. Il reste lui, du coup, qui est chiant. Il a toujours focus la même. Hein. T'as le Tenya. C'est un peu chiant ça. Incroyable ça. Là, clairement, tu vas te faire plaisir. Hein. Ah, clairement, tu te fais plaisir, mon pote. Hein. Bon, d'abord, tu sais de. Ah, tu le tues pas. Il est plus résistant que ça. Ah, toi, t'as pas critiqué. Voilà le critique, il est là. Hop. Chouette. C'est parfait, ça. Oh là là. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow. Bon, du coup, là, il y a un obstacle, c'est pas grave, on a des pelles. On a pris beaucoup de pelles. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Ah, on a pu. On a pu. Ouais, c'est trop risqué. Ah, bonjour le collecteur. Surprise. Est-ce qu'on peut te stun? Ça serait bien de stun ce Bashibuzouk. Oh là là. Il a plus que 16 HP. Il a plus que 16 HP. Il n'a plus que 13. Oui. Il n'y en a plus que 4. Ah, il montre sa collection. Et il est mort. Bon. On est bien. On est vraiment bien. Et donc on a plus que ça. Donc c'est très bien. Esprit tourmenté. Lui elle est ultra chiante. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Bah, photosensibilité, c'est quand même beaucoup mieux. Et it's okay. On a éliminé la chair inachevée. On s'est fait de l'argent. Il est vulnérable, le pauvre. Oh. C'est très bien. An eternity of futile struggle. Or penance for my unspeakable transgressions. Mm-hmm. Allez, va boire un petit coup à la maison. Tout va bien. Hop. Voilà. Alors, bah déjà, d'ailleurs. On peut monter ici. On peut monter la maison close. On va monter peut-être la maison close. Il en manque 4. J'en ai pas. Bon bah ça sera le salle de jeu.
ça sera la salle de jeu. Qui sera montée. Donc on est à 72% de la taverne. Expert en survie. Réduit de 10% le coût de campement. Compétence de campement. C'est pas si cher que ça. Ah, maître chien, collier à pointe. J'avais jamais vu ça. Chance d'infliger saignement plus 30%, soins reçus moins 20%, compétence de soins moins 50%. Ah ouais. C'est assez badass quand même, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Et oui, mais oui, c'est clair. Pouette, on avait dit au niveau des contrats 200 et 110, c'était ça. Hein. 200 pour l'hôtel de la lumière, et c'est très très bien ça. Compétence 200 plus 10%, résistance aux étourdissements plus 10%, c'est vraiment bien. Et on peut construire sinon Athènes. C'est pour les antiques occultistes et les médecins de peste, chance d'infliger une infection plus 15%, chance d'infliger un malus plus 15%, donc c'est très bien aussi. Donc on va économiser hein, les contrats. Je sais pas si on arrivera à en avoir 200, ça fait quand même beaucoup, mais bon. Mais bon, sur ce YouTube, c'est la fin de l'épisode. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Donc c'était assez calme, on n'a pas fait trop les fifous. Mais on a quand même tué la chair inachevée. Et ça c'est bien, ça veut dire que ça avance tout doucement, mais sûrement. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Sur YouTube du coup. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à commenter aussi si tu as quelque chose à me dire. Je ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Et n'hésite pas aussi à nous rejoindre en live, c'est sur Twitch. Tout est dans la description de la vidéo, je te laisserai regarder ça. Je te fais des bisous et on se dit à la prochaine pour la suite des épisodes de Darkest Donjon, la suite de la souffrance.